Hey! On se retrouve pour un nouvel épisode de Civilisation 6 avec l'Empire Sumérien. Alors, on va planquer notre petite unité qui est en train de se faire défoncer par la cavalerie Scythe. Hop. Alors, ils ont été... Où est-ce qu'on en est ici? On en est que je voulais rapatrier ça. Là. Pour pouvoir taper avec ça tranquillement. Le truc, c'est que ça ici, je peux taper. Mais lui, il faut absolument que je l'avance bien plus proche pour taper. Pourquoi ça, mec, je peux taper quelque chose? Ah putain, je l'ai pas vu lui. C'est pas grave, don't worry, be happy. On peut gérer simplement avec notre mitrailleuse à distance et puis bah, notre Gugus. Hein. J'ai envie de vous dire. Normalement, ça va le défoncer là. Au pire, après, je vais finir là. Bien efficace. Comme on les aime. Alors, ça, on va déplacer ça là-dessus. Du coup, j'ai claqué qu'une attaque. C'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Bah, écoute, tu te retranches. Au prochain tour, on prend la ville. Et comme quoi les lance-roquettes, c'est pas le même délire. Alors, hop, lui il est arrivé sur place. Et on prend quoi? Mandaba Magamazinga. Quel... On en est où au niveau de tourisme, ouais? Et 53 sur 219. Faudra péter du russe, comme ça on aura un petit peu moins de touristes à avoir. Mais 53 sur 79. En vrai, le russe, en fait, là, je l'ai bien, bien encerclé, c'est pas ouf faire des villes. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un petit moment que c'est pas la parfaite ville. Ah! Il a beau attaquer avec des piquiers. 40 piquiers sur une ville, ça fait mal. Putain, j'ai pas envie de la perdre. Cette ville, c'est la ville qui fait que je suis bien dans cette DM. Si je la perds, c'est la merde. Pourquoi ils veulent tous la taper? Ah, du coup, ça l'a reculé. Bon, ça c'est bien ça. Vas-y, dégage. Mais en vrai, par contre, j'ai rien pour le défendre. Putain, y'a pas une troupe qui traîne quelque part. Un truc qui peut se déplacer. Non, ça n'existe pas. Enfin, mon anti-char avant qu'il arrive sur place, les gars. Oh, j'ai mon blindé. Oh, je suis con. Oh, je suis con, j'aurais pu envoyer le blindé. S'il attaque. Il est plus là à attaquer. Si je peux tempo un tour, déjà c'est bon. Je vais renvoyer les blindés. Je m'en fous de la ville. La ville, je m'en bats les couilles. Faut que je renvoie mes blindés qui puissent attaquer Soon. Parce que toi tu sers strictement rien. Ah, je renvoie tout, hein, je m'en fous. Hein. Je cherche même pas à comprendre. De toute façon, au pire, je peux taper avec ça. Hein. Ouais, easy. Faire ça comme ça. On va gérer la ville à la mitrailleuse, les gars. Envoyez un émissaire. Ouais, ouais, t'inquiète, Bruxelles, j'arrive. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est la Thusa. Pourquoi j'ai plus de thunes? Oh putain, mais j'ai plus qu'une route commerciale. Mais le site, c'est son aïeul. Ah non, ça m'a annulé toutes les routes commerciales avec le russe. Oh putain, ouais, j'ai un russe ici en plus. Bonjour. T'as voulu me piller mon négociant, toi. Ville fumier. Ville fumier que tu es. Ouais, bah écoute, du coup. Du coup, Zanzibar. Du coup, Zanzibar. Du coup, voilà, c'est sûr qu'on peut plus trop commercer la sorte, quoi. Eh bah, tu me proposes peu de thunes. Complètement claqué. Qui a complètement claqué? Au revoir, bah oui. Oui, au revoir.
Alors ça bouge un peu, mais ça tape pas beaucoup. Donc moi ça me va. Ça perd beaucoup de PV surtout. En plus là je pourrais mettre un petit coup de campement là dans les fesses de l'arbalétrier. Boum. Moi j'ai dit, hein, je m'en fiche de capturer l'autre, hein, de péter cette ville. Moi je veux conserver cette ville, mais de bout en comble. Je la perds, je perds ma game. Je la perds, j'ai plus d'uranium, j'ai plus de pétrole, j'ai plus de salpêtre, j'ai plus de machin, j'ai plus d'aluminium, j'ai plus rien. Et pas d'avion, pas de sous-marin. Comme ça c'est fait. Ah non, on déconne zéro là. En vrai, c'est peut-être un petit peu too much ce que j'en vois. Mais de toute comme j'ai dit, il a la vie, je la finis avec ça. Donc en soi, je suis good. La question que je me pose, c'est ce que j'ai quoi y aller pour l'instant. Non, faut encore que j'attende le tour d'après. Alors, on vient de finir nos trucs. Est-ce qu'on part directement sur nos bombardiers à réaction? Comme ça, moi, ça nous fera des petits trucs à faire après dans l'aéroport. Sur le sous-marin nucléaire, pour l'instant, on fait 8 porte-avions. Je pense que de toute façon, je vais faire 2 porte-avions. Ou alors je suis sous-marin nucléaire et comme ça je peux enchaîner directement après le porte-avions. Non, je pense qu'on va rien faire ça. Je vais faire 2 porte-avions et comme ça j'aurai masse avion. Parce que la capacité d'un porte-avions c'est combien? Ça va être écrit ça. C'est pas écrit. Alors, en tous les cas, de toute façon faut qu'on fasse tout. Donc on va tout faire. Ah, petit écrivain illustre là. Notre civil. Et... Je vais jamais le blinder là-bas. Je vais amener le blinder là-bas quand même, dans le doute. Je pense en passer par là, hein, parce que si jamais je fais ça, là, je vais arriver très rapidement là-bas, au prochain tour. Et toi, pour le coup, tu peux revenir par ici. Là, je vais mettre mes lance-roquettes pour l'attaque de cette ville-là. Quel moment je t'ai cliqué dessus, toi? Mon ancien cherche, y'a pas grand chose. En vrai, j'ai ramené mes troupes vers les Russes. Hein. Est-ce que j'ai pas de Buenos Aires en même temps? Je crois qu'on va attaquer toutes les cités en même temps. On va faire 3 combats en même je temps. Je suis disposé à servir. Et lui, du coup, là, on est où le site? Est-ce qu'il m'emmerde? Non, du tout. Bah, c'est bon. Ah. Ah. Il passera jamais ici le truc. Il passera jamais. Alors si j'ai moyen. Si j'ai moyen d'abuse de la ville, comme je sais si bien le faire, je peux m'en sortir. C'est-à-dire que là je finis la ville. Putain, c'était close. Hein. Je sais pas, je sais combien de PV là, mais je sais pas beaucoup. Et du coup, là je tape avec ça. Pourquoi je peux pas taper avec mon campement? Oh putain, la chatte du type. le mec a une luck quand même qui est assez monumentale. Mip mip, je viens scouter. Il y a personne. Mip mip, je repars. Wait, non. Je voulais pas cliquer. Je voulais pas cliquer. Si je rase la vie, je meurs. Quel jeu de merde. On a tous les deux un PV. Mais je peux pas l'attaquer là, non? Je peux pas l'attaquer, putain. Et... 1, 2, 3. J'ai mouvement 2. Ah, j'ai que 2 mouvements parce que c'était ça qui me donnait 3 de mouvement. Bon, maintenant qu'on est là-dessus, on va s'occuper de ça. Hein. Écoutez. Mip. Je peux aller jusqu'où là? Moi, je peux aller jusqu'à très loin. Ouf. Pourquoi il y a un trait ici?
En fait, j'ai un bug de négociant depuis tout à l'heure qui met des traits d'où est-ce que mes routes peuvent partir, et c'est très perturbant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit toutes les villes comme ça. C'est juste un bug de négociant. C'est le négociant. Alors, soit je rachète un négociant pour qu'il pue le bug, genre d'ici, mais dans tous les cas, ça sera peut-être pas un putain de risque qui arrive là. Ce qu'on va faire. C'est pas drôle si ça arrive pas. Comme ça, je perds pas mal de thunes pour upgrade mes unités. C'est moi, il m'a coûté du entretien le truc là. Ça, ça fait de l'entretien, je te sais pas. Pas worse. Projet Manhattan, ça peut être worse. Après, projet Manhattan en beaucoup de tours quand même. Projet Manhattan, ouais, c'est pas si ouf que ça. En soi, j'ai rien d'autre à faire. Non, mais autant que je commence maintenant, je pourrais le finir plus tard. Oh, il y a une promotion disponible. Bénéficiez bizarrement de 2 niveaux de plus pour saboter la production. Cet espion est sur votre territoire, tout votre nain. Bénéficiez directement de 4 niveaux de plus pour fuir en cas de détection. Ouais. Si quelques voyageurs quittant son. En continuant sur de l'or. Moi, je peux beaucoup d'or par contre à prendre, mais. Mais ça fait toujours une bonne. Ça fait toujours une bonne com. Toujours un plaisir. Limite, il faudrait que je chasse un autre espion que j'envoie chez le machin là. Après, il n'y a pas beaucoup d'or lui, je crois. Je sais pas chez qui l'envoie lui. Attendez, il a vraiment survécu lui? Ah non, j'ai pas passé le tour. Okay. Je me disais bien, c'est trop beau pour être vrai. Ah non, il a juste pas survécu. Hein. Enfin, il a juste pas passé le tour. Bah oui. Ça serait pas drôle si. Ah, oh, il fuit! Je le répète, c'est un jeu nul. C'est un jeu nul, nul, nul. C'est-à-dire ce campement, ici, il pouvait pas être à la ville là. Non du tout, non. Non mais je suis con parce que du coup c'était ce campement là, il n'y a pas de ville. Ah si, il aurait pu être, je sais pas. Bon, bah écoutez, on va s'allier tous les deux. Hein? Pas une bonne idée ça, parce que du coup je vais me faire tirer dessus. Est-ce que le russe a fini d'être pété? On va laisser le blindé sur les russes, on va renvoyer les lance-roquettes au combat, en bas. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries aussi. Du coup, anti-char, serre-moi de trucs à vision. Toi, tu tapes à 4. Donc si tu tapes. Ça me paraît fast quand même. Ça me paraît un petit peu abuse. Mais bon. Ça marche, on passe pas, hein. Boum! La moitié de la rampe en moins! C'est bon, blindé! Ah, blindé, comment ça, on a une unité anti-char? Donc, toi, t'as des piquets des arbres à l'étrier, et d'un seul coup, tu me sors une unité anti-char dès que je veux rester au blindé, en fait, c'est ça? Moi, ouais, tu fais chier, hein. Ah putain, je veux pas rentrer dans la ville comme garnison. Oh là là! Dis donc, j'ai dit ça c'était pour Zandibar, c'est ça? Ah! Ouais, mais faire ça, ça veut dire passer en plein dans le territoire de du con. Faire ça, ça veut dire passer en plein dans le territoire de du con. Et faire ça, ça veut dire que c'est pas voir ça. Non, on va faire ça. Comme ça, pendant un tour, il aura peut-être de la bouffe. Et sinon, c'est con que j'en vais la retirer ici. Parce que mon blindé, il pètera jamais la vie. Cette ville-là, faut absolument que je la rase. Le problème, c'est que j'ai rien pour la raser. Et c'est pas le porte-avions qui va la raser, les gars. Après, j'aurais eu un sous-marin, peut-être que ça aurait rasé quelque chose. Non, c'était peut-être pas 4 de portée, le truc. Écoute, en attendant, tu te retranches. Il y a toujours ce truc-là qui traîne. Oh non, on est où des personnages illustres? On a bientôt un marchand. Ok, donc le marchand on l'aura. Je peux même bientôt le prendre avec de la foi. Le prochain ingénieur a peut-être moyen de l'avoir aussi avec de la foi si jamais je fais pas trop. Le musicien on est sur le bon chemin. Et le prochain savant on est dessus aussi. Ah, quoique. Après il est qu'à 6 par tour. Attendez. Dans 10 tours il aura pas. Dans
20 tours, il l'aura pas. Il l'aura dans une trentaine de tours. Un peu moins d'une trentaine de tours. Il l'aura dans 25 tours. Dans 10 tours. Ok, donc dans 20 tours, dans moins de 20 tours, je l'ai. Dans 15 tours, je l'ai. Dans 15 tours, j'ai le prochain savant qui nous fait Eureka pour 3 technologies de l'art atomique ou de l'information. Pourquoi pas. Prochain musicien, ça nous fait 2 trucs là. Par contre, le prochain artiste, les gars. Alors, c'est pas que je suis à péter au schnock. Mais c'est de la merde. C'est-à-dire que le premier pour l'artiste. Hein. Le premier pour l'artiste, il a combien il a... Ah oui, il a 13,1. Ah oui, mais dis donc, le russe, t'es artistique, toi. T'as bien endoyé du cul, toi, un petit peu, non, c'est ça? Après, en vrai, si le mec là il a que son unité en t-shirt qui peut potentiellement me faire chier, enfin, du moins péter la ville, c'est pas avec ça qu'il va la péter, quoi, tu veux dire. Surtout que là, il reste vraiment plus que cette unité là en soi. Donc bon. Du coup, je pouvais faire un port. J'ai construit quoi à la place du port? Pourquoi j'ai une infanterie qui traîne ici? J'ai une infanterie qui traîne ici, c'était pour les activités, je crois. Et pourquoi je suis en problème d'activité? Je suis pas en usure de guerre quand même là. Je suis en mesure de guerre à cause du russe, tu vas me dire. Alors peut-être le site il traîne. Ouh, c'est quoi ça? Le mec il fait des armées d'arbalétriers. Why not? Donc si jamais je retire ça. De toute façon, c'est une infanterie, c'est pas que c'est une infanterie que je prends la ville. On revient sur le même problème. Par contre, le port. Eh! Si oui, un avion. Chasseur, bombardier. Bon, toujours pas ce qu'il me faut. Toujours pas ce qu'il me faut, il faut que j'attende 5 tours. Qu'est-ce que je peux faire en 5 tours? Oh, laboratoire de recherche. Oh, eh. Tant qu'à faire. Et tant qu'à faire, toi tu peux aller là. Et tu peux pas taper après l'attaque parce que t'as pas la putain de recherche. Par contre, dans notre tour, y'a plus rien ici. Est-ce que ça, je renvoie ça à la ville? Je t'ai vu toi. Je t'ai vu, mais par contre je perds le trade apparemment. C'est chiant. C'est chiant ce truc x3. Mais il les produit tous en x3 ces unités. C'est un délire. Parce que pour le coup c'est vraiment débile. C'est-à-dire qu'une unité x3 en fait est capable de te péter. Je sais pas combien. Putain, mais il y en a combien en plus? Il en a encore 4 en réserve. Et puis le mec il va toujours plus loin dans ma ville pour les années. Hein. Après, en vrai, là, il va se faire tirer dessus par le campement pour sa capitale en soi, Kiri 2. Et au pire, il se prend un truc de lance-roquette, quoi. Ah, l'anti-char commence à faire effet. Ratatatata. Commence à faire effet, mais celui qui s'est défoncé. Propre. Mec, il a une unité anti-cavalerie, je suis de la cavalerie, je défonce. Sims, take it. C'est chiant les messages, hein. On est d'accord. Je te pète la tronche. Oh, ça fait des vieux bruits de revolver l'anti-char quand tu le tapes. Alors on a dit ça sur toi. Ça sur toi. Et là déjà en théorie tu fais plus trop le malin. Je peux même faire ça là-dessus. Faire ça là-dessus avant qu'il m'arrive au corps à corps et me défonce. Je vais vraiment y aller mollo, hein. Je lui pétais toutes ces unités de toute façon. C'est ces unités qui m'emmerdent, c'est pas autre chose. Ah, du coup, j'ai tout ça à faire, tac tac tac. Alors, du coup, je partirais sur quoi, un musée d'armes ou un meilleur réseau archéologique? Moi, je trouve vraiment l'archéologie très débile. Comme truc, en tout cas, tu remplis très facilement. Mais bon. Dans tous les cas, faut qu'on commence par un amphithéâtre. Attendez, tout ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais il est où ce négociant depuis tout à l'heure qui m'embête? Ah, je peux carrément aller négocier avec le Norvégien qui est de l'autre côté de l'océan. Pas mal ça, ça me plaît bien. Le truc c'est qu'en fait, à tout ma vie de négociant, j'ai perdu ma stune parce que je négocie plus contre moi maintenant. C'est bon. Au moins, ça me donne la nourriture de la prod de négocier entre ma vie, le gars. Surtout de la nourriture en ça. C'est quoi comme doctrine qu'on vient de découvrir?
Mais non, nouvelle doctrine. Théorise plus 100% pour les chefs-d'œuvre artistiques et les artefacts. Ouh. Ouh. Alors ça, si je l'active, ça peut être débile. Attends, écrit pour les chefs-d'œuvre artistiques et les artefacts. Comment dire, j'ai que ça en fait moi. Ça c'est que des artefacts. Artefact, artefact, artefact. Ça c'est des portraits. Ça c'est l'écrit. Ça c'est un chef. C'est de la religion, très bien. Ça c'est un chef-d'œuvre artistique, je crois. Mais en gros j'aurais 27, 27, 8 en doublé. Ah c'est pas tant que ça en vrai pour l'instant. Enfin pas tant que ça, si c'est quand même pas mal, mais pas non plus voilà. En fait, au final, je pense que l'entrequête, j'ai mieux fait de le faire ici. Je pense qu'il arrivera avant les autres. Puis comme ça, je vais pas me faire chier à faire des constructions pendant ce truc-là. On a notre porte-avions. On a notre porte-avions qui a 4 de mouvement, ce qui est pas des masses. Mais voilà. J'ai pas encore les sous-marins, donc ce que je vous l'ai déjà dit, de toute façon, c'est que je voulais faire un deuxième porte-avions. Donc on va faire un deuxième porte-avions. Plus les porte-avions, plus on est fou, plus on rit. Ça fait beaucoup de plus, mais ouais, c'est comme ça. Il est parti où le truc là qui était à côté? C'est lui? Non. Si? Tant pis. Hein. Lui il est abîmé, du coup il fait pas de dégâts, ça c'est très chiant. Je pense en prendre une puissance défensive. Bon, ça fait pas de dégâts non plus en fait. Non, c'est... j'ai l'impression. Ouais. Autant les unités de siège vont descendre très rapidement la garnison, donc la barre du dessus. Autant la barre d'en dessous, la barre de santé de la ville elle-même, elle descend, mais pas du tout. Et ça, c'est chiant. Ah, mais j'ai. Depuis tout à l'heure, il y a mon truc qui est en stand-by, mais qui est pas dans la bonne région. Enfin, qui est à côté des unités et du coup, les booste pas. Je joue pas assez en fait. J'ai pas l'habitude assez, de jouer avec ce genre de personnages illustres, d'amiral illustre. Et ça me fait défaut. Parce que là, pour le coup, ce serait cool en soi. Plus 5 de puissance, ça fait pas des masses en soi, plus 5 de puissance. Mais je passe de 105 à 110 quand même, ce qui est quand même pas dégueu. C'est pas négligeable en soi, sur des combats à long terme. Si à chaque tour, tu te dis que bah, t'as 5 de puissance sur toutes tes unités qui vont taper, c'est quand même fat. Vous voyez, c'est clairement pas négligé comme truc. Surtout que c'est gratuit en soi, c'est juste ça me coûte un clic pour déplacer le mec. Quoi. Qu'il y a un peuple là dans la ville. Il va encore avoir un lance-roquette qui va sortir de nulle part, j'ai rien comprendre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tesla va faire la paix. Hein? Je fais la paix avec qui? Amor Renro, il est plus avec les autres? Non. Il a plus de tutorin. Bon, tant mieux. Hein. C'est cité état, si t'as plus entre elles. Tant mieux, tant mieux. Là, c'est quand même plus les mêmes dégâts là d'un coup. Hein. En fait, c'est juste qu'il y a moins de PV sur la ville, hein, c'est pour ça que je suis plus mal. Mais ça change quand même pas mal. Surtout que du coup, j'ai bien plus de mouvements. Quoi. Les lance-roquettes avec les 3 de mouvement. En fait, moins stupide. Hop, plus qu'à prendre la ville. Est-ce qu'on laisse le site comme ça? Pour l'instant. Et on le termine plus tard. Où est-ce qu'on le termine? Parce que faire la guerre à 24, c'est chiant. Moi, j'ai envie de me refaire une troupe. J'ai envie de le terminer à la nuque, les mecs, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, j'ai envie de me refaire les troupes un petit peu, d'arrêter d'être en guerre, avec les heures de guerre et tout, parce que c'est chiant. Puis, mine de rien, faut pas oublier que je suis suzerain de Genève. Et que j'ai 15% de science en plus. Ce qui est énorme. Si je fais pas le con. Si je fais pas la guerre. Donc, on va rester calme. Au transport aérien. Trop bien ça, je peux le transporter dans une autre ville. Ah mais c'est débile ça, c'est pour ça qu'il faut des aéroports partout. Attends. Eh. Oh merde, je peux plus transporter aérien. Ah puis je peux plus lui. Oh je suis con. Qui est sous débile. Alors, toi du coup tu vas par là-bas. Miam. Attaque. Mais qu'est-ce que je voulais tester? Je voulais tester un truc avec une troupe. Il me faut une troupe. Et évidemment j'ai pas de troupe. Ah, j'ai une troupe. Ah, je suis pas assez proche de. Ah, mais non, mais faut que je sois. Ah putain, faut que je sois assez proche de l'aéroport.
Ça suffit pas de rentrer dans la ville, faut être... Le mec a 40 amirals, il le sera. Pas amiral. C'est général. Pourquoi j'ai dit amiral tout à l'heure? Amiral, c'est les trucs de la flotte. Quel plaisir, poulet. Eh ouais, j'ai un porte-avions, frérot. J'ai plus de galère. Parce que toi, tu te bats là, toi, tu te bats avec tes trucs à la con, là. Comment ça s'appelle? Non, bah non, si, c'est les galères. Non, c'est les galères, c'est les trucs romains. C'est quoi les trucs vikings, les bateaux? Oh, j'ai un trou de mémoire. Non, c'est pas les galères pour les vikings. Ouais, d'accord. Et là, du coup, on transporte rien, ouais, c'est ça. Je vais que dans les villes où il y a des aéroports. Et je peux, j'ai un rayon d'action de 1 autour. C'est pas mal en fait. J'ai c'est pas dégueu. Et est-ce que ça peut le faire sur le porte-avions? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un transport aérien sur le porte-avions. Ça sera un petit peu pété ça par contre. Je pense. Ça s'upgrade, ça s'upgrade. Est-ce que j'aurais mon intérêt à l'upgrade hein? On est d'accord. Hein. On est d'accord. Par contre, pour le coup, mes lance-roquettes, faut que je les envoie. Excusez-moi, je commence à avoir la voix un petit peu défoncée. Comment c'est que j'ai la foi, je vois complètement pété comme ça. Lance-roquettes, faut que je les envoie par là-bas. Mes Zedar ou mes archéologiques? Les emplacements des chefs-d'œuvre artistiques, c'est bien, mais vu que j'ai jamais les artistes sérieux, ça me sert pas à grand-chose. Donc, on va partir sur le musée archéologique. Ça reste plus raisonnable, je pense. Non, je cliquais là. Mais c'est bon. Il faut que je me rejette quand même. Par contre, du coup, si mes blindés avancent sans ça. Comme j'ai dit, de toute façon, là, je passe juste cette ville là. Et ensuite, je déclare la paix. Faut pas qu'il bouge trop quand même. Ça lui laisse 5 villes. J'en ai quand même rasé 3 ici. 3 ou 4 ? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 7. J'aurais rasé cette ville, le mec, quand même. Donc bon. Ça m'a fait pas mal d'XP sur les troupes, j'en ai quand même perdu 2-3. Bon, surtout ici j'ai fait des conneries. Mais voilà. Et voilà, j'ai envie de dire. Tout cet aluminium qui part. C'est marrant les petites routes que ça laisse à chaque fois, ça fait des petits cercles. Je crois que c'est l'emplacement des villes et des campons en fait. Quelque chose d'agréable. Parce que du coup ça les contourne. Chasseur à réaction, j'en ai pas besoin. Quoique. Pour péter les unités, chasseur à réaction, c'est débile. Et il me reste combien de temps sur ça? Limite, je pourrais faire laser, puis sous-marin. Ou alors, je sécure le sous-marin en premier, comme ça, moi, je suis sûr d'enchaîner directement sur un sous-marin nucléaire. Et je fais le laser. Ouais. On va faire ça. Et là, du coup, normalement, j'ai les bombardiers. 7 tours pour un bombardier à réaction, les mecs. Et cette ville a déconne zéro en termes de prod. 101 de production. C'est-à-dire que là, si jamais j'ai un projet Manhattan... Ah mais attendez, les projets Manhattan, tu peux en faire qu'un? C'est quoi le prérequis pour faire un projet Manhattan? Ne me dites pas qu'on peut en faire qu'un à la fois. Mais non, on peut en construire plusieurs à la fois. Pourquoi je peux pas le faire? Et j'ai pas de satiopore dans cette ville, on est d'accord. Hein. Non, j'ai pas de satiopore. Wait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On peut vraiment en faire qu'un à la fois? Ça pour le coup c'est la mort. Bon pire du coup je ferai une bombe A, une bombe H à chaque fois là faut. Cette ville là je ferai les bombes A, cette ville là je ferai les bombes H et deux sorties en même temps. Ça m'embête quand même hein. Hop. Lance-locket sur le chemin. Alors tout ça je prends, mais après. Après 25. Pourquoi t'as claqué tout ton or avant de me faire les trucs? T'as réfléchi 2 secondes toi ou quoi? Enfin oui du coup c'est logique parce qu'en soi t'as pas envie. Hein? Alors il y a un bruit, une déclaration de guerre. En même temps qu'il y a eu ça. Par contre ouais, les 19 trucs par tour, ça je prends. C'est qui m'a déclaré la guerre? Personne m'a déclaré la guerre. Ouh, j'ai 5 émissaires. Je suis un Pierre le Grand. Hop hop hop, là dis donc. Tu fais des folies. Je vais me faire choper un jour. Je vais me faire choper, mais il est très bien ici en tout cas. Il me ramène de la thune.
Hop, nickel. Donc moi je dis c'est good. Obtention d'un personnage illustre. Eh, on a le marchand. Ça c'est Bueno Bueno. Il est où le marchand? Et attendez. Ok. Ok. Ça c'est good, on a gagné de l'activité grâce à ce marchand là. Ça c'est fat. Comme ça, même en temps de guerre, c'est pas le caca. Du moins pas trop. Ça c'est bon. Hop. Et du coup, mon négociant, je peux le renvoyer là-haut ou pas? Est-ce que c'est worth de le renvoyer là-haut en soi? C'était quel négociant? C'est celui de la bouffe avec Yurik, ça? Non. Tu? Bah non, celui de Janko. Comment c'était lequel là? Celui de Zanzibar, je pense. Ouais. J'ai pas d'intérêt à faire l'infanterie. La thune, vaut mieux que je la garde pendant un instant pour acheter des porte-avions et tout en vrai. Je pense que je vais stocker ma thune. Ou alors justement pour upgrade mes unités en truc supérieur. Je crois pour upgrade mon blindé, peut-être en blindé lourd. Et mon unité en t-char, en unité en t-char lourde. Les infanteries vraiment en infanterie lourde, après c'est vrai qu'elles se déplacent plus vite. Parce que j'en ai besoin pour l'instant. De toute façon, tous mes prochains fights vont se faire avec des avions. Mais qu'est-ce que tu me fais chier toi? 41 trucs par tour, mais t'as complètement craqué le grec. Si jamais croisé, tu me peux que je te file de la thune. Complètement débile. Et donc. Ah, très bien, ça fait des ouvriers au calme ici. Bon, le site a l'air vraiment planqué. Oh! Bonjour, toi. Ça, je suis pas en guerre avec toi parce que. On vient de finir le port. Ah putain, mais je me suis fait taper tout ça par quoi? Ah, c'est lui qui m'a tout pillé? Non! Bâtard. Oh le relou! Oh le relou! Oh le porte-avions par contre! Oh, j'ai fait beaucoup plus vite ici! Oh. Bah, cette ville là, ça va être la ville de production maritime de type. Ouais! Transport aérien. Ouh. Oh, y'a Litz. Trop bien. Trop bien, mais j'en fais quoi par contre du blindé? Et pour le fun, on l'envoie en avion. C'est con, y'a pas d'animation par contre, je suis déçu. J'aurais bien aimé voir mon petit blindé largué comme ça. Ah! Les choses intéressantes commencent. En plus, c'est de level 5 attaque à 4 tours, c'est ça? Enfin, 4 cases. Donc, en gros, il peut déjà attaquer. C'est con, c'est que mon personnage juste sera pas suivi et du coup ils ont pas le bonus de déplacement. Parce que là, après, de toute façon, dans tous les cas, il a pas l'upgrade pour attaquer en déplacement. Donc, il lui attaquera pas à ce tour là. Après, vu que c'est une ville qui a pas beaucoup de défense, bon, 69 c'est quand même beaucoup, mais c'est pas 80 comme tout à l'heure, ça risque de prendre beaucoup plus cher. Ah, c'est con, parce que. En fait, ce qui est dommage, c'est que c'est le régiment lui, il est bas level. Je trouve ça dommage. Ça aurait été le régiment, ça. Ça aurait été nickel. Alors, unité en attente d'ordre. Bien, très bien, on retranche un petit peu tout, hein. Je vais pas m'embêter pour l'instant avec mes unités qui me servent à rien. Et là du coup, toi si tu vas là, ah mais il y a même plus d'unité, mais il y avait un cavalier avant, en régiment. Ne suis-je pas fou? Ça fait quand même mal. Hein? Ok. Ah bah on avance plus hein du coup. Mais je crois, attends, j'ai rejoint quoi? J'ai rejoint une route là? Ah, il complore. Mais j'étais déjà sur une route avant, pourquoi ça m'a pas fait déplacer plus vite directement ici? Oh, je sais pas. Hein? Non, 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 pas taper! Pas taper les porte-avions! Non, 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 non! Il est fou! Bientôt, 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 bientôt. T'en fais pas. Est-ce que j'attends qu'il me fasse une offre? Parce que après, en vrai, il y a des offres, ils m'ont fait tous les deux tours. Donc dans deux tours je prends la ville, il me fait une offre. Moi ça me paraît cool comme ça. Ça me paraît donnant donnant on va dire. Cité antique. Le plus gros problème de... Oh le laser on le fait encore plus rapidement qu'avant, ça c'est cool ça. Avant c'était 8 tours, je crois maintenant c'est 7. Centre d'inspiration, fin de décision. Son statue port encore une fois. Ouh, pas mal. 22 tours, c'est moins mal, mais enfin c'est moins bien déjà. Mais... Non mais écoutez, centre de décision. On fait les bâtiments qu'on peut. Hein.
Et là, je pense que ça fait mal. Ouais, là, ça commence à picoter. Hein. Là, ça commence à picoter sévère. Hein. Et là, du coup, on fait ça. Là, comme quoi, les unités cibles, on fait final. Là, j'ai mon petit lance-roquette qui est toujours pas fini et qui va me servir à rien. Ah putain. Parce que, au final, en fait, mon lance-roquette va me prendre beaucoup trop d'entretien. Attendez, c'est combien d'entretien, lance-roquette ? Que je rigole. On va pas, parce que je suis en train de faire. Mais c'est plus ou moins 7. 7 ou 8. Donc c'est débile. Par contre, pour le coup, faire le théâtre. Faire le théâtre peut être intéressant. À la place de mon truc. Ça me prend que 17, 19 tours en plus. Et hop, on rase la ville. Et une en moins. Et c'est parti, Roger. Et là, en théorie, on va rentrer en temps de paix. Je vais pouvoir reprendre le petit négociant, renégocier depuis ici à là-bas avec de la thune, et on se met bien. Parce que là, dépense ville 158. Ah. Bah dégage ça. Ouais. Fait mal quand même 158 en dépense en ville. Après j'ai pas beaucoup de trucs commerciaux. Je peux pas commercer de la thune. Des ressources. Nos soldats pour rallier les gens. Oh. Permis de former un espion supplémentaire. Nice. Bon, de toute façon, ici, on va partir sur de la réparation. Hein. L'impression, je pense qu'on va faire que ça. Et on a perdu une doctrine. Alors, je sais pas c'était laquelle. Pff. Évidemment, il n'y a pas le point à côté pour me dire c'était laquelle. Ok, on vient de gagner 20 d'or par tour. Ce qui est pas dégueu. Alors pourquoi j'ai pas pris les trucs des productions en plus et tout? Parce qu'en fait là les trucs des productions en plus pour l'instant les mecs, parce que je crois qu'on en est là, c'est par la suite. C'est les doctrines par ici. Genre production plus 1 pour les trucs atomiques et information. Donc ça c'est l'ère dans laquelle je suis en fait. Proximité aérienne des arbres. Oh! Combiner les deux sans déconner. Y'a pas le truc maritime. Ah, y'a une production pro simple. Ok. Là, ça va plus déconner, les gars. Là, ça va clairement plus déconner. Par contre, du coup, je sais absolument pas dans quel truc j'ai passé après. Parce que là, j'étais dans quoi comme gouvernement? On était dans un gouvernement, plus habitation, plus 2 pour toutes les villes possédant des remparts médiévaux. Donc là, niveau habitation, ça va en chier. Habitation ici ça va en chier, ici ça va pas en chier, là ça va en chier, et ici aussi. Après il me suffit de faire des égouts. Bon, ou des quartiers résidentiels. Je pense qu'on va faire ça. Je vais faire un quartier résidentiel dans chaque ville, ce qui se fait relativement rapidement, et je serai tranquille en soi. C'est vrai qu'au final, peut-être plus voir se faire ça qu'un truc de diffusion. Eh, lance-roquette niveau 6. Si c'est pas beau tout ça. Je vais juste aller là-dedans, mes villes, hein, enfin mes trucs. Donc attendez, niveau activité, on est où là? 2, plus 3, ouais, bon. Bon, on va laisser là. Comme ça, si jamais je dois retaper le site, c'est directement à côté. Eh, pas dégueu ça. Le porte-avions, je pense qu'il doit en avoir marre de se faire taper sur la gueule, non? Ah, parce qu'il est resté 2 tours en stand-by ici, sans déconner? C'était fait taper 2 fois sur la tronche le truc. Bon écoutez les mecs, on va se laisser là pour cet épisode. Merci à vous d'avoir regardé, c'était bientôt cool. Cool. On va finir de déclarer la paix là au site. De toute façon on va attendre qu'ils nous proposent la paix. Et puis comme ça on va essayer de dégoter encore un petit peu de ressources de luxe. Pourquoi pas de l'or si on peut. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.